pays frontaliers, le Tchad et le Niger s'emploient à développer une coopération multiforme et beaucoup plus étroite. En attestent les nombreux échanges au sommet entre les deux dirigeants, Mahamat Idriss Déby Itno et le général Abdourahmane Tchiani. Dans cette dynamique, le président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a dépêché le week-end dernier à Niamey au Niger le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Mahamat Ahmad Alabo, avec un message destiné au président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tchiani. L'audience a également donné lieu à des échanges sur divers sujets relatifs aux relations de coopération entre le Tchad et le Niger. Parmi les thèmes abordés figurent le développement économique et les initiatives de solidarité régionale. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à promouvoir une collaboration étroite et à renforcer les liens d'amitié et de fraternité existants entre les deux nations. Le Tchad et le Niger, historiquement parlant, sont des pays très fusionnels, tant sur le plan géographique, sur le plan historique, tant sur le plan culturel. Cette similitude-là s'est traduite dans toutes les phases et les dimensions de la coopération entre les deux pays. Comme vous le savez, chacun de nous a ses problèmes. Et donc, quand on a des problèmes, on essaie de s'entraider pour essayer de les surmonter et de les résoudre autant que faire se peut. Et donc, c'est pourquoi il y a très souvent des échanges entre les deux présidents pour partager des points de vue, d'expérience et surtout exprimer des solidarités mutuelles. Cette visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République à la présidence du Niger, s'inscrit dans une dynamique de renforcement des liens séculaires entre Niamey et N'Djamena. Elle reflète aussi la volonté des dirigeants des deux pays de consolider leur coopération stratégique et de promouvoir des intérêts mutuels de la région. La veille, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Dr Mahamat Ahmad Alabo, a été reçu par le premier ministre du Niger, Ali Mamman Lamine Zine. Des échanges fructueux lors de cette audience ouvrent eux aussi la voie à une coopération renforcée et à des initiatives communes pour le bien-être des populations des deux pays, amis et frères.